Les gens sont vraiment accueillants. J'ai le calme, je me sens chez moi. 3F Résidence est le propriétaire du bâtiment et depuis sa mise en service en 1979, l'ADEF en est le gestionnaire. Autrefois, il s'agissait d'un foyer de travailleurs migrants et suite aux travaux de réhabilitation, on a transformé ce foyer de travailleurs migrants en résidence sociale. Nous essayons d'ouvrir la résidence plus vers un public jeune et de tout milieu social. Avant, donc, il s'agissait des chambres, c'était même pas des logements. Souvent, c'était des chambres partagées. Ils étaient parfois deux à trois dans le même logement. On passe de ce type de logement à un nouveau type de logement plus adapté au nouveau public. Dans cette nouvelle résidence sociale, on a maintenant des logements autonomes. Ils ont leur propre cuisine, leur propre salle de bain. Et du coup, maintenant, ils ont plus d'intimité que ce qui était proposé autrefois. On a dans ces nouveaux établissements des salles de réunion collectives. Ces salles leur permettent justement de se réunir ou de recevoir des proches de leur famille. Ces salles nous permettent aussi de nous réunir avec les résidents pour effectuer de la communication, faire des réunions avec le conseil de concertation ou mettre en place des ateliers pour les résidents. On est plus dans construire un avenir ici et pas juste venir travailler et avoir un toit. Tout le monde peut avoir un accident dans la vie et tout le monde peut avoir besoin de la résidence sociale. Le public accueilli peut être divers et varié. On peut avoir des réfugiés, des sorties de prison, des salariés, des femmes seules. Avoir une vie de l'autre côté, dans un autre pays, et venir dans un autre pays, c'est pas évident. J'étais dans le 115. Ensuite, j'ai été au foyer. Je n'étais toujours pas chez moi. Je pouvais pas me concentrer. Mes effets étaient ici et là. Il y avait plusieurs mondes. Je dormais pas assez. J'étais pas à l'aise. Je pouvais pas rendre le meilleur de moi. Et après le foyer, c'est là où j'ai pas trouvé un endroit où aller. Et au final, je suis arrivée ici. C'était un changement total. Les lieux étaient tous neufs. Personne ne l'avait encore habité. Étant donné la tranquillité que j'ai aujourd'hui par rapport à l'environnement, là où j'habite, les responsables d'ici, en tout cas, en toute confiance, je pense que l'avenir sera meilleur.